Donc Thierry Femme, je suis spécialiste des questions méditerranéennes. Je suis responsable de la programmation artistique et culturelle du MUCEM à Marseille, qui est un musée national. Pour moi, la Méditerranée, c'est un peu toute ma vie. Or, je constate que cette mer Méditerranée est en train de se transformer en mort Méditerranée sous nos yeux. Nous assistons à un des grands bouleversements de l'histoire, peut-être comme on l'a connu au moment de la guerre d'Espagne, avec ces réfugiés, ces exilés, à qui nous devons la protection et le soutien. Et l'initiative de SOS Méditerranée répond à cette morale de l'urgence, à cette nécessité première de ne pas laisser des gens mourir dans la mer comme c'est le cas aujourd'hui, en détournant le regard. Je crois qu'il est primordial de soutenir un projet comme celui-là parce qu'il prend la mesure de cet événement historique et il répond au besoin que la société, face à la défaillance des États, des acteurs politiques, puissent prendre toutes leurs responsabilités et engage un mouvement citoyen d'hospitalité, d'ouverture, qui est le contraire de ce repli, de la peur dans lequel nos sociétés européennes sont en train de se perdre. SOS Méditerranée, c'est au fond un SOS d'humanité pour notre propre rapport au monde. Et la Méditerranée mérite mieux que de devenir ce théâtre de la mort, alors qu'elle est appelée, compte tenu de la jeunesse des populations qui la composent, être un théâtre de la vie.